suis Thomas Defago. Je suis en master en sciences sociales à l'Université de Lausanne, en orientation corps, médecine, technologie et santé. Rencontre, réflexion, introspection. En fait, moi, je crois que j'ai vraiment voulu suivre ce master en sciences sociales grâce aux profs. Leur motivation et leur proximité avec les étudiants a tout de suite fait écho en moi en me disant que je n'allais pas être de nouveau dans des cours magistraux comme j'ai pu suivre ça dans certaines autres universités. C'est un master que je peux personnaliser et je pense que de pouvoir vraiment créer un cursus qui convient à mes intérêts et à l'enrichissement de mes connaissances sur certaines thématiques. J'ai beaucoup aimé l'enseignement de Madame Mavro, de vraiment pouvoir faire un terrain avec des professionnels et des personnes concernées, et de pouvoir en créer quelque chose de créatif et d'artistique sous la forme d'un podcast. Je vais faire un stage au centre de médecine infectieuse du CHUV. En fait, le médecin qui a lu mon dossier et qui a accepté mon stage au sein du CHUV a tout de suite apprécié l'idée des podcasts et des courts-métrages. C'est la première fois qu'il engage une personne qui provient des sciences sociales. Il voulait vraiment amener ce côté créatif. C'est de vraiment choisir les cours en fonction de la thématique ou du ou de la professeure qui sera en charge de ce cours-là, ce qui permet vraiment de retirer le maximum de ce que propose ce cursus. Plutôt que de faire un puzzle au niveau de l'horaire. Je dirais que c'était assez intéressant de me retrouver en face d'un député au Grand Conseil pour un cours de l'université et puis de pouvoir m'entretenir avec lui dans son bureau tout en me disant que ça faisait partie d'un cours académique.